Salut, c'est Saisonis. Aujourd'hui, on va parler sorcières. Alors, il y a quelques jours, je vous avais présenté Mélusine. J'ai d'autres suggestions à vous faire. Premièrement, le film Amour et magie avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, un grand classique. Ensuite, Sabrina de Teenage Witch. J'ai connu Sabrina dans les bandes dessinées Archie quand j'étais plus jeune. Et il y a quelques années, j'ai découvert la série qui avait été créée dans les années 90. Je ne l'avais pas écoutée à l'époque, je l'ai écoutée récemment. J'aime beaucoup réécouter des extraits. Et je viens de finir d'écouter la nouvelle version qui est complètement, complètement différente. C'est une autre atmosphère. J'ai trouvé ça très divertissant. Ensuite, l'année dernière, j'ai découvert la série Good Witch. C'est vraiment léger, ça met de bonne humeur. C'est une série que j'ai découvert par hasard et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. C'est vraiment le fun à regarder. Et cette année, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des films qui étaient sortis avant la série et j'ai commencé à les écouter. C'est le fun de revoir les personnages et ça continue de me mettre de bonne humeur. Et finalement, la série Charmed, que j'ai pas eu l'occasion d'écouter au complet encore. Ça aussi, c'est une série que j'avais manquée à l'époque quand c'est sorti. Je l'ai découverte il y a quelques années et j'ai beaucoup aimé aussi. Laissez-moi un commentaire, écrivez-moi lesquelles de ces sorcières vous connaissez déjà, c'est lesquelles vous préférez, etc. Et le mot du jour était Hex. Hex, qui veut dire sorcière. C'était Saisonis Kikus en direct du mois d'octobre. À la prochaine!